Salut les amis, j'espère que vous passez une très très bonne journée. Voici une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Killer Scoop. Sur cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Kamel Tatouage qui s'est fait cambrioler pendant qu'il séjournait en vacances avec sa famille, avec tous les membres de sa famille. Il a été contacté en direct par la police. Je vous laisse visionner cette vidéo et on se retrouve après. Écoute ce que je veux dire. Wallah, on s'est fait cambrioler. Voilà. Ils sont rentrés dans la maison. Tu me crois pas? C'est pas que des blagues. Alors, entre un porridge et une banane, on s'est fait cambrioler. Ils ont quoi? Ils ont pris quoi? Ils ont pris, je suis en train de regarder là. Le poteau, il est là-bas. On s'est fait cambrioler. Donc, les cambrioleurs chapeaux, et ils ont monté 4 étages comme les Yamakasi. Comme ça. Comme les Yamakasi, ils sont passés par les fenêtres. Wallah, et je jure, wallah, que pour ce que tu as pris à l'intérieur et le danger que tu as eu si tu étais tombé, voilà, l'Adem, tu fallait me dire que je t'aurais tout donné, frérot. Voilà. Bon. J'y suis en Thaïlande et je reçois l'alarme qui pète, les condés qui appellent, nanani, nanana, des cambrioleurs, nanani. Bon, bref. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. Moi, je fais pas le mec qui est genre, oh! Non, ça fait partie du jeu. T'es influenceur, tu mets ta tronche sur internet, tu mets ta femme, tes enfants, ta maison, ça fait partie du jeu. C'est les gens qui vont m'envoyer des mails. Ah, je le savais, t'aurais pas dû me montrer chez toi. Eh, nous, ça fait partie de notre game. On est prévenu. On le sait. Donc, c'est pour ça, t'as vu, toi, petit jeune qui veut faire comme nous, ou qui veut montrer ta vie, ou qui veut truc, fais attention. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que des gens bienveillants, il y a des gens malveillants. On reçoit des messages d'amour toute la journée. 99%. T'as toujours des petits détracteurs et tout. Mais il y a des gens, ils sont comme ça derrière la caméra en train de regarder, attendre le faux pas, nanana. Pour pouvoir te cambrioler, de voler ta voiture, de voler une montre, nanani, là. Les mecs, ils sont venus, ils ont fait leur taf, parce que c'est leur taf, voilà. Ils ont fait leur taf, ils ont pris un petit peu de matériel. Je m'en bats les steaks du matériel. Moi, j'en ai rien à foutre. Regarde. Et elle, encore pire. Voilà. Faire le mec juste. J'ai eu des news. La police m'a appelé. Donc là, la police m'a appelé, le commissariat de Charenton, qui trouvait pas normal ce qui se passait matin, donc j'ai rien fait de plus. La police m'a appelé, il m'a dit que la personne que j'ai eue ce matin, en gros, hein, je vais te la faire courte, hein, il m'a dit que c'était incompétent. Donc voilà, il m'a dit que c'était pas ça là, normalement, la procédure et tout. Donc là, la police est venue constater, j'ai les poteaux qui ont ouvert la porte et il y a les experts de Paname avec les empreintes et tout qui arrivent. Donc voilà. En fait, le truc à faire, c'est appeler la police et la police doit venir constater. C'est ce qui m'a expliqué le policier. Donc en plus, un policier super cool, super gentil. Quand tu tombes sur un con, faut dire qu'il est con. Mais quand tu tombes sur un bon, faut dire qu'il est bon. T'as vu, faut être juste dans la vie. Et le mec, il a été super gentil, explicatif. Il m'a dit ce qu'il fallait faire avant, après. Donc voilà. Bon, il n'y a plus rien à faire. Hein. Tu t'es fait taper, tu t'es fait taper. Hein. Mais au moins, ils ont pris le temps de m'appeler. Et ils ont pris le temps de m'expliquer ce qu'il fallait faire et tout. Et là, les potes, ils attendent et... Alors les amis, qu'avez-vous pensé de cette nouvelle vidéo de Killer Scoop, toujours au cœur de l'actualité? Est-ce que vous pensez que c'est un guet-apens ce cambriolage? Est-ce qu'il a été prémédité? Vu que c'est un influenceur, il dit c'est fait le geste. Je vous attends les commentaires, likez, abonnez-vous et à très bientôt.